Glória a Deus. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu une enfance atroce. Il rigole. Entre ma mère, mes deux grands-mères, ma grand-tante et mes deux sœurs aînées, là, je suis devenu adulte à 47 ans. Mais non, mais vous vous rendez pas compte, mais j'étais à deux doigts de devenir gay. Attention, moi je n'ai rien contre les gays. Au contraire. Plus il y en a, moyen concurrence. Ce qui n'est pas nécessairement vrai avec l'aiguille. Avec les femmes, c'est toujours un peu plus compliqué. Ma femme m'invite au restaurant hier. Déjà qu'elle m'invite, magnifique. Le parking, magnifique. Le restaurant, magnifique. Et la carte, magnifique. Le service, magnifique. Et l'ambiance, magnifique. Mais non, pas magnifique l'ambiance. Romantique, l'ambiance magnifique. Avec des candélabres immenses et des bougies au-dessus. Depuis le temps que je rêvais d'un tête-à-tête avec ma femme, j'ai été complet. Complet. Et je crois que ça fait du bien à certains d'entre vous. Parce que... Alors, à la fin du repas, je lui dis, alors bébé, on y va ou t'as prévu quelque chose? Eh bien, oui, Philippe, oui, j'ai un merveilleux dessert pour toi. Oh, merveilleux, mais c'est mon dessert préféré. Y a pensé, vraiment, vraiment, ça me touche beaucoup. Un merveilleux dessert. Je me casse. Je pars. Mais pour aller où? À l'étranger. À l'étranger, pour un merveilleux. Enfin, mais tu fais exprès de ne rien comprendre ou quoi? Je te quitte, Philippe. Mais jusqu'à quand? Pour toujours, idiot! Mais comment il s'appelle ce connard? Je le connais! Ce connard s'appelle Sylvie. Sylvie? Mais enfin, bébé, de quoi vous allez vivre toutes les deux? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cette Sylvie? Plombier. Plombier! Non! Mais des problèmes. C'est nouveau, ça. Enfin bon, peu importe, c'est pas une raison. Je veux dire, moi j'ai une copine, Dina. Elle est jeune. Elle est belle. Elle est fraîche. Elle est belle. Mais elle aime autant les hommes que les femmes. Partageons. C'est quand même pas parce qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz qu'il faut se coquiner de plombier. Alors, Philippe, non, ce n'est plus toi qui vas me dire qui je peux ou qui je dois fréquenter. En outre, j'ai décidé de ne pas arrêter de m'amuser avec mes copines. Ça tombe bien, moi aussi, j'ai décidé de ne pas m'arrêter. Elle a très très mal pris. Hein. Elle a autant d'humour qu'Ebola. Mais t'es vraiment un connard, quoi! Mais il était temps que tu deviennes mon ex! Et quand t'as se remet avec un ex, ça va, je connais, j'ai donné. Hein, c'est exactement comme se remettre un vieux tampon. Ha! Mais ça, c'est. Ça, t'y connais un vieux tampon, hein? Toi qui règles les 20 jours par mois! Mais choper une NST, mais ça aurait été relevé du miracle! T'étais toujours fermé, clic propre! Ça ne servait qu'à faire pipi! Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'au début, c'était matin, midi et soir. C'est après que c'est devenu mars, juillet, décembre.
préfère te faire foucher ta Tina. Connard. Mais on s'en fout de Tina. Tina, la pleine bouche à tomber enceinte. C'est toi que j'aime, bordel. On verra, Philippe. Je rentrerai dans 6 mois. Ah ben c'est ça, oui. Moi, j'entrerai dans Tina. Non, mais qu'est-ce que je vais faire tout seul? Mais ce que tu as toujours fait, d'ailleurs, c'est ce que tu fais le mieux. T'es éclaté avec tes bouffières prépubères. Profite-en, je ne suis plus là. Eh bien, mesdames, messieurs, elle est partie. Hein. Après 30 ans de vie commune, en me laissant de surcroît nos deux jeunes garçons sur les bras. 25 et 28 ans. J'ai plus de vie. D'ailleurs, j'aurais préféré être veuf. Vous vous rendez compte de faire ça à moi? Alors que je vais sacrifier mes plus belles années? Et vous croyez qu'elle aurait payé l'addition?